Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christine Alexandre, je suis mandataire indépendante sur le secteur de Couvray, je travaille à la Fourmimo comme vous pouvez le voir. Voilà, donc comme nous sommes en période de confinement, évidemment j'ai fait le choix de ne plus travailler, de travailler de la maison, contrairement à certaines agences qui, je pense, continuent à faire des visites physiques. Nous avons fait le choix d'arrêter complètement pour la sécurité de tous et surtout pour que cette maladie se termine rapidement. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens, surtout pour nous les indépendants. Hein. Concrètement, nous ne travaillons pas, donc nous n'avons pas de salaire. Donc il est difficile pour nous de se projeter dans l'avenir. Toutes les signatures notaires ont été pour la plupart bloquées pour le moment. Nous espérons trouver des solutions dans les semaines à venir. Moi j'ai des promesses qui sont donc arrêtées, des signatures définitives également. Donc voilà, j'essaye de trouver des solutions tous les jours au quotidien, trouver des nouvelles idées pour essayer de combattre un petit peu cette pénurie de travail. Et j'ai pensé peut-être relancer le fait que nous pourrions faire des estimations en ligne. Donc je vous explique le concept que j'ai mis en place. Je pense que vous êtes nombreux à avoir des projets encore immobiliers. J'ose espérer que vous aviez peut-être des intentions de vendre ou d'acheter. En ce qui concerne les vendeurs, moi je mettrai en place dès aujourd'hui une étude personnalisée pour vous si vous avez besoin d'estimation. Ça sera simple, hein, je prendrai contact avec vous sur WhatsApp ou Messenger ou par mail où je vous poserai quelques questions. Je vous demanderai bien entendu de m'envoyer quelques photos de votre maison. Je connais très bien le secteur de Couvray-Esbly, c'est un marché que je connais par cœur maintenant puisque je le pratique depuis 8 ans bientôt. Pour ce qui concerne les autres secteurs, j'ai des outils mis à ma disposition comme meilleuragent.com, Se Loger Pro, Castorus, j'ai toutes les ventes des notaires, donc je peux facilement faire des estimations en ligne. Ensuite, si vous avez l'intention de mettre votre bien en vente, je vous propose de vous envoyer donc un mandat électronique, bien entendu à la Fourmimo depuis déjà un an et demi je crois. Nous faisons des mandats électroniques, donc ce qui simplifie un peu la tâche, hein. On peut donc faire des mandats par envoi électronique et vous les signer. Pour ce qui est des diagnostics, de toute façon, les diagnostiqueurs ne sortent pas non plus, donc nous les ferons après. Je vous propose donc d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, encore une fois WhatsApp, Instagram, Link, etc. Je mets à votre disposition des petites vidéos qui font des visites virtuelles. Donc je fais les montages moi-même, j'en ai déjà fait quelques-unes. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur ma page pro Facebook, la Fourmimo Christine Alexandre 77, vous verrez que je fais des visites virtuelles. Donc je pense que ça sera du temps de gagner pour la suite quand nous pourrons refaire des visites physiques. En tout cas, ça permet déjà de commercialiser certains biens et de vous aider pour vous projeter plus tard. La vie va continuer, j'espère que ça sera plus rapide pour nous les Français si nous sommes sérieux. Et derrière, on aura déjà anticipé quelques actions et je pense que c'est bien pour tout le monde. En tout cas, moi, ça m'occupe. Ça me fait plaisir de le faire pour vous. Je suis très volontaire dans mon métier. Je l'ai toujours été, donc je le suis encore. C'est entièrement gratuit. Hein. De toute façon, il n'y a aucun engagement. Vous savez très bien qu'un agent mandataire est payé que s'il vend. Donc, j'ose espérer que cette situation ne va pas durer éternellement et que je pourrai reprendre rapidement mon activité. Parce qu'avant tout, ce qui me plaît dans ce métier, ça a été toujours et ça restera les rencontres humaines. Mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Donc voilà, j'essaye de m'adapter. En tout cas, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de tous les gens que vous aimez. Et je suis là si vous avez besoin de moi. Je vous mettrai toutes mes coordonnées. Merci, à bientôt.